Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis à Gamvers, j'ai acheté du lupin, 3 euros. Ouais, je persiste à vouloir essayer de sauver quand même mes plantes. Ça veut dire que mes plantes meurent, je n'y arrive pas. Et je me donne jusqu'à la fin de l'année pour arriver à savoir si oui ou non, j'arrête d'acheter des plantes. J'avais dit que j'arrêterais. Et finalement, j'ai continué. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux. Hop, c'est quoi ça? C'est des tapis qui sont tombés? Ah non, c'est les pour les cages. Bon, je ne vais pas m'embêter, je ne sais pas où mettre ça. Voilà. Oh, ça, c'est trop chouette, ça. Oh là 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 là. Oh, c'est trop chouette. Combien ça coûte, ce truc? 28,90. Oh, oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, qu'est-ce que je suis venue acheter, moi? Alors, je voulais un distributeur de croquettes en plastique. Mais avant, il faut que j'aille vérifier que les animaux ont de l'eau. Ouais. Je fais mon inspection. Toujours. Quand je viens ici, inspectrice. Donc là, ça va, la dame, elle bosse. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il ronge les barreaux. Eh ben ouais. Vous voyez là? Là, il est en train de ronger le... Il veut se sauver, quoi. Il veut se sauver. Bon, là, ils font dodo. Oh là là, là aussi, ils font dodo. Donc, je vérifie, nourriture, ok. Oh, bonjour, vous. Ah, en train de manger. T'as une petite cage, toi. Hein? Ouais, trop petite, mais bon, c'est comme ça. Petit lapin. Bon, allez. Bon, maintenant il faut trouver mon distributeur de croquettes. Bon, ça va, la dame nettoyée, il y a à manger, il y a tout, il y a l'eau, je regardais. C'est bon, ok. Allez, moi c'est surtout l'eau que je vérifie. La nourriture, ils en ont, c'est pas un souci. Mais tant qu'il n'y a pas d'eau, là par contre, ça ne me plaît pas du tout. Donc, je disais que je ne peux pas tout acheter. Je voudrais un distributeur de croquettes. Il n'y en a pas ici? Non, là c'est des oiseaux. Si, si, vous pouvez parler. Ah! Ok. Bonne journée. Non, non, je peux pas. Je prends que deux choses. Non, je peux pas. Je vous ai deux. J'ai signé quand même, monsieur. Donc là, je viens de signer pour l'association Sourds et Muets. Donc, j'ai signé. J'ai marqué mon nom, 32 000 hoches. Et après, donc, il me montre les dons. Il faut donner un don. Non, moi, je... Non. Non, c'est fini tout ça, moi, non. Parce qu'il y en a, ils ont marqué des dons, ils ont fait des dons. Mais moi, non, j'ai des choses à acheter. Je suis désolée, mais...
Même que ça soit sourd ou muet, tout ce que tu veux, non. Non. Ben, ça va, quoi. Il n'y a pas marqué milliardaire hein, sur ma tête. Hein. Non. Au secours, où sont les distributeurs là de qu'on a des pleins prophètes dedans. Je suis paumée. Je vais demander, hein. Oui, moi. Vous voulez en chercher un aussi ? C'est pareil. Il va à gauche d'un côté, il va à droite. Qu'est-ce que vous cherchez ? Non, un distributeur pour les croquettes en plastique, vous savez aussi ? Oui. Oh, mais c'est génial. Hein. Juste là en bas à droite. Ah, merci, bonne journée. Mais c'est génial. Alors, d'accord. Alors, combien ça coûte tout ça? C'est bien beau. Donc là, ils mettent pour chien. Mais bon, si je mets des croquettes pour chat, ça... Ouais, j'ai cherché sur internet, mais alors il y en a qui sont très très chers. Extrêmement chers, je trouve. Oh là, c'est génial. Tenez, vous avez une gamelle intelligente là, 2 en 1. Ça vous pèse. Ça vous pèse de la nourriture. Alors, à éviter tous ces trucs comme ça, là. Ça, pas bon pour les croquettes. Voilà. C'est pas bon du tout. N'achetez pas ça. Là, le trou, il m'a l'air un peu petit. Il est plus cher, ouais, mais il y a beaucoup plus pour mettre des croquettes. Bon, écoutez, je vais déjà en essayer un comme ça. Le problème, c'est que là, ça prend vachement l'air. Ça va sécher les croquettes plus vite. C'est ça que je dois regarder impérativement. C'est ça. Celui-là, alors, celui-là, il m'a l'air bien parce que le trou est plus petit. Donc, les croquettes, du coup, vont moins sécher. Vous savez que les chats n'aiment pas quand les croquettes sèchent trop vite. Bon, mais là, ils disent quoi? De l'eau? Ah, c'est pour mettre de l'eau. Ah, c'est pour ça que le trou est plus petit. Ah, ça, c'est pour l'eau. D'accord. Ok. Et pourquoi ils mettent aussi croquettes, là? Je comprends pas. Distributeur d'eau. Ah, mais d'accord, d'un côté on peut mettre les croquettes.
Ouais, je teste. Je teste avec le doigt, faire comme si j'étais un chat. Miam, 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 miam. Avec la pâte, il peut faire descendre. Là, non, là, c'est plus pour l'eau. Ça serait mieux plus pour l'eau, moi, je trouve. Voilà. Alors, quand on démonte, on remet tout comme c'était. Voilà. Il faut toujours respecter le travail qui est fait. Donc, toi, t'as les crosses. Ça doit être de l'eau, ça aussi. Ouais. Et si je tournais ça un peu? Si je faisais comme ça? Ouais, bon, écoutez, je vais prendre ça. Hein? Qui vivra, verra. Voilà, donc, je prends ça. J'en prends qu'un. Hein. J'en prends qu'un. Je teste avec un. Les autres, bien sûr, ils auront comme d'habitude. Hein. Et les autres gamelles, après, on verra. On verra. Je teste. Ben, j'ai pas pris de chariot. J'ai pas pris de chariot. J'ai pris... À qui il est ce chariot? Je le pique ou pas? Non. La piqueuse de chariot. Oh, pas cool, hein? À la mamie, je lui pique son petit Canada vert là. Coucou, c'est moi. Bon, heureusement que les gens ne m'entendent pas. Ah ouais, donc à la place du tout ce qui est Coca-Cola, il faut prendre ça, hein, la place. Voilà, c'est des extraits végétaux, ça a le goût du Coca, mais c'est pas du Coca. Et c'est très très bon. Voilà. Je vous le dis. Oh, des petits gâteaux, ils sont à combien des gâteaux? Bon, là, je vais pas goûter parce qu'ils ont pris déjà l'air. Bon, allez, je vais en prendre un. Je vais en prendre un. Là non plus, je vais pas boire parce que ça a pris l'air. Hein. Moi, je sais pas ce qu'il y a eu entre temps. Hein. Donc, moi, je touche pas. Moins 30%. Donc, ok. Donc là, vous avez moins de 30% sur plein de choses, hein, confiture, voilà, sur plein de choses, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai vu de beau ici? J'adore tous les petits coffrets comme ça. Moi, j'adore, 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 j'adore. 28 euros. Mais moi, j'adore. Hein. Offrir des coffrets comme ça à Noël. Bon, faut que j'arrête de craquer. Non, parce que maintenant, j'ai fait Biocoop, Gambert, et maintenant je vais à Leclerc. Ouais.
Ouais, je pense que ça suffira. Ah non, j'ai une boulangerie à aller tester. Ouais, allez, à plus tard.